Salut à tous, c'est Nasband qui vous parle. Comment ça va? Moi je vais super bien et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Tomb Raider Anniversary. Wow, wow, putain mais... Oui, non mais j'avais pas tiré hein. Que je peux pousser comme ça. Ok, bon. Au moins je sais que je peux faire ça, mais... Ok, il y a des petits symboles, ça pue l'énigme. Enfin bref, on va aller voir. Ok, il y a un couteau là. Les mecs, vous avez fait une salle à énigmes. Foutez pas des ennemis dans votre salle à énigmes. Je veux dire, c'est clairement le moment où vous vous êtes dit, là c'est le joueur, le moment où il doit réfléchir. Alors laissez-nous réfléchir. Je veux dire... Ben voilà. Non, non, réfléchir, tu peux pas dans ce jeu. Tu peux pas, tu peux pas. Ils te mettent des ennemis à des endroits improbables. Dégage. Ok, des petits symboles, mais... que c'est des indices tout ça, mais ça me dit rien. Ça doit pas être bien compliqué hein, mais oh, il y avait pas tous ces trucs avant. Si, non, non, il y avait pas tous ces trucs avant. Peut-être qu'il faut que j'aligne dans l'ordre en fait. Je crois qu'il faut que j'aligne avec les petits petits machins. Je crois. Pas sûr. En fait, je comprends rien à ce que je veux faire. Bon, écoute, on va aller regarder dans les salles là. Là, il y a le couteau. Ok. Où est-ce qu'il est le couteau? Ok, d'accord, j'ai compris le principe. Donc, il y a le couteau, il faut le mec avec le vase en dessous. Ok. Couteau, mec avec le vase. Non, c'est pas lui. Voilà, c'est ça. Donc là il y a le couteau, le mec avec le vase. Ah bah tiens, j'en avais oublié. Hein. Là il y a rien. Non. Ok. Là il y a des vieux dessins. Alors là c'est la... On va dire le... Loi, et il y a un mec avec un milkshake, ok. Oui, c'est un milkshake, je dirais. Ok, c'est pas le milkshake là, non. Milkshake. Oh. Oh. Qu'est-ce que ça fait?
Ok, attends. Là, c'est... Je sais pas, moi, une bite avec deux bras et il tient deux tentes. Alors, la bite avec deux bras, la bite avec deux bras, elle est là et il tient deux tentes. Ouais, ça déverrouille des trucs, je sais pas quoi, mais... Là, c'est... trois ronds et il tient un autre mec avec une barbe, ok. Trois ronds, trois ronds, trois ronds, là. Non. Voilà. Ça va, c'était pas trop difficile à comprendre le principe. Je suis content, j'ai découvert ça tout seul, sans Solus, sans rien. L'obélisque de Camoun. Ok. Oh putain, mais de nouveau de l'eau. C'est quoi votre fantasme avec l'eau? C'est un peu violent comme descente de pont quand même. Vous avez trouvé Eudorus. Non, il n'y avait pas moyen de... Oh, mais c'est bien ça pour la caméra, je savais pas. Hop, si j'appuie là, ok. Je découvre des choses 10 ans après, moi. Non. Non, mais j'aimerais bien savoir ce que t'en dis. Ah ouais, d'accord, ouais, là je vais un peu plus m'amuser avec ces pistolets-là. Je pense que je dois sauter dans l'eau. Ils ont déjà pas foutu de crocodile. Ils ont pas l'air. Non. Non, ils auraient pu, hein. Enculés comme ils sont. J'explore un peu les gens, hein. Je découvre la zone. On va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, déjà, on va aller voir ce qu'il y a sous l'eau. Il n'y aura d'y avoir rien de particulier. Il n'y a pas une échelle pour monter ici? Merci. Non, il n'y a pas une échelle, hein. Oh. On va aller voir par là. Bon, prochain point de passage, par contre, on va s'arrêter. Oh. Oh. Voilà. Ouais, bon, le prochain point de passage après celui-là. Ouf. Voilà. Ils aiment bien les pièges. Ils aiment bien les pièges dans ce jeu. Oh, merci beaucoup. Ouais, c'est... non, vous vous doutez peut-être que c'est des clopes, mais non, c'est autre chose. C'est des tic-tac, justement pour ne plus fumer de cigarettes. Oui, je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer. Essayer étant le mot-clé. Je sens ce truc, ce qui descend la plateforme. Je suppose qu'il faut que je me speed le cul. Ouais. Voilà. Vous savez quoi, ce jeu il a tendance à m'énerver, mais quand je sais ce que je dois faire,
C'est un bonheur. Mais le saut me paraît trop loin. Hein. Bon, là, c'est de ma faute. Allez. Allez. Donne-moi des tic-tac. Donne-moi des tic-tac. Allez. Allez, on peut le faire, c'est pas dur. Voilà. J'attendais de voir s'il y en avait un deuxième qui arrivait, mais non. Merci. Bref. Yop là. Yop là, yop là. Non, on peut pas grimper là. Je sais pas, ce saut me paraît beaucoup trop lointain. Et je parie que c'est le cas, attends. Bah non, ça passe. Celui-là est beaucoup trop lointain alors. Non. Ok. Intéressant. J'aime pas du tout ces sauts là. Oui, bonjour. En fait, il n'y a même pas besoin de se prendre avec la flèche, quoi. Faudrait vraiment être con. C'est vraiment pas difficile à éviter. Il faut être débile pour se la prendre. Là, si tu te la prends, tu t'en prends qu'à toi-même, en fait. Et tu t'en prends à la flèche aussi. C'est quand même un peu de sa faute. Faut quand même résoudre l'énigme de cette salle. Non mais là je peux rien faire par contre. Ah, attends. Voilà. C'était pas dur, hein. Pour l'instant je me suis pas encore tapé la gueule vers ma mort, mais ça ne sera tardé. Voilà. Nickel. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il me semble que j'avais vu passer une flèche là, mais c'est peut-être moi qui ai pété un plomb. Waouh. Hey. Putain, mais mes guns de calibre 50 là, ils sont où? Je les avais sélectionnés pas pour rien.
Ta gueule. La musique, tu te calmes, il n'y a plus rien là. Oh, la musique. Ta gueule. Ok, ça va être facile. Je sens que ça va être facile. Ouais. Tout pour faire chier. Vraiment. Oh, les prochains points de passage, cette fois on arrête. Va falloir. Oh là, moi j'y vais en trottinant, hein, parce que bon. Voilà, on s'arrête là. On progresse bien, et cette zone-là, je l'aime bien pour l'instant, elle est sympa. Donc voilà les gens, cette vidéo vous a plu, vous laissez un j'aime, commentez, vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux, tels que Facebook et Twitter, à la mettre en favori. Tout ça me ferait énormément plaisir, pour nous rejoindre sur notre serveur Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, sur ce, moi je crois que je vous ai tout dit, donc ciao les gens, c'est maintenant pour vous servir, allez bye. Qui hein. C'était un jeu qui avait été fait pour les enfants, non. Il était enfantin. Bon. Mais ça c'est vraiment un jeu fait pour les enfants, c'est pas un jeu qui viole l'âme voilà. Des enfants. D'habitude, c'est quoi ce jeu là. Enfin, c'est surtout autre chose. Ouais. Pas ça, c'est pas vas-y. Salut les gens. Ok, on parle de vas-y. Par contre, après là, il y a le boss le plus chiant du monde qui va arriver.